Alors, essayons ailleurs. Coincé, elle a dû se bloquer lorsque j'ai fermé. Magnifique! Fantastique. No. Qu'est-ce qui se passe si je fais ça? Je suis pas sûr qu'il se passe quelque chose de très cool. Let's just wait and see. Aha! Je vois pas trop pourquoi ça fait ce chemin-là, mais bon, pourquoi pas. A button! Ne jamais appuyer sur les boutons, les enfants, ok? Cette installation a dû se transformer en piège mortel. Ce ventilateur est capable de couper n'importe quoi sans flancher. Je me demande si je peux l'arrêter. Et bah... Moi j'étais pas partant pour ça, hein. Non. Avec ça dans les gueules... Non, ça va pas marcher. Non plus. Non. Un coup de dynamite dans la poire, ça te fera du bien. Oh! Que dalle! Un coup de pioche dans la poire, ça te fera du bien. Non, on l'a pas, l'esprit de prétin. La balle, j'ai dit. Le tapis roulant doit sortir par ce trou. Magnifique. Est-ce que je peux couper avec ça ou pas? Aller se balader, mais non, je peux pas me balader, je suis obligé de rester là. À quoi ça sert ça ici là? C'est trop bizarre ça. Faire du morse peut-être. Ah ah, il y a ça aussi. C'est vrai que j'ai rien lancé là-dedans. Let's go up! Let's go there! Raté. On va récupérer ça au cas où c'est ça qu'il faut envoyer en bas. Oups! Raté. Voilà! Donc j'ai donc laissé récemment un message sur la chaîne concernant le système de jeu en ligne on live, ça s'appelle. Ça a l'air assez prometteur parce que j'ai testé. Bon, la qualité est pas terrible, surtout avec mon écran 32 pouces, quoi. Donc c'est un peu dégueulasse. Je crois que pour l'instant ils sont coincés en qualité 720 pixels, ce qui est assez problématique.
Mais j'ai l'impression que je peux jouer à tous les jeux, que je n'ai plus aucune limite de plateforme PC ou Mac, parce que j'ai réussi à tester Saints Row 3, et j'ai réussi à essayer Bastion, qui sont logiquement deux jeux réservés au PC, et j'ai pu jouer sans problème. Comme je vous dis, l'unique souci, c'est que si jamais je veux enregistrer, la qualité est pourrie. Et j'ai l'impression aussi que ça dépend de la connexion Internet, et ma connexion Internet n'est pas terrible. Pas sûr que ça soit pour l'instant une bonne solution pour nous. J'essaierai peut-être de voir si les choses s'améliorent, mais enfin, en tout cas pour vous, si vous connaissez pas, allez jeter un oeil parce que c'est quand même vachement classe. On a accès à tous les jeux et je crois qu'il y a des systèmes, donc, comme je disais dans le commentaire, que par exemple si vous donnez 9,99€ par mois, le service OnLive vous débloque en illimité un pack de 150 jeux qu'ils ont sélectionné eux-mêmes, j'imagine, c'est pas vous qui pouvez choisir, pour y jouer illimité pendant un mois. Donc c'est quand même assez classe tout ça. Le moteur de rechange, il s'est barré, il n'est jamais revenu. C'est quand même un petit peu dommage, si je fais ça, il se passe quoi? C'est vrai qu'il ne s'est rien passé avec ce truc. Oh! Mais si, je sais ce que c'est. Ah ah! Ce qui prouve donc bien qu'il y a un truc à faire ici. Je serais pas contre le fait de pouvoir vous allonger, monsieur le tonneau, si ça vous dérangerait. Oh. Allez. Allez. Oui. Hop. Non, si, non. Mais sûr que ça pourrait marcher. Mais. Alors comment je fais concrètement? Parce que ça sert forcément à quelque chose ce truc. Sinon ce serait pas la... La bouteille a fait casser la figure. Bon, Qu'est-ce qui se passe si on appuie sur tous les boutons? J'ai pas l'impression que ce soit fort utile encore, mais bon. Non! Ah ah! Ok, ça s'est remis en ordre. Ça, je peux toujours pas sortir. Mon dieu! Ce câble relie ces boutons à cette presse mécanique. Magnifique.
Je sais pas, je cherche, vois-tu. Oh, ouais. Y a peu de chances que ça fonctionne, mais on peut toujours essayer ça. Vrai. Go! Raté. Non, ça ne marche pas. Je suis quand même violemment coincé dans ce machin là. Hein. Note, please. Super. Est-ce que ça, si je le mets là et que je vais avant lui et que je cours pour aller l'écrabouiller vite, 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 non, je dis vite, abruti. Super, génial. On va recommencer. Hop! Allez, 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 et que j'appuie sur n'importe quel bouton, vite, 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 vite. Non, j'ai appuyé deux fois de suite. Guignol, guignol, guignol. Come on, come que dalle. C'est vachement utile comme truc, si ça résiste même pas à une à un truc de descente là. Et ça là-dedans, qu'est-ce qui se passe? Rien non plus, j'imagine. Ah ah! Peut-être pas si sûr que ça en fait, hein, qu'il se passe rien. Parce que si j'arrive à l'intercepter. Je peux peut-être l'empêcher de tomber. Et du coup, le garder au premier étage. Allez. Come on. Where are you? Ça n'a pas l'air d'avoir marché. Bon. Génial. Now. Inutile.
J'ai encore 15 minutes de temps perdu. Dégagez tous là-dedans, là. Je suis sûr qu'il vous arrive plein de belles choses. C'est quand même bizarre cette histoire. Ah! Les voilà. Aha! Oh my god! Hé hé hé! Ben voilà.